Good morgen, allez, Iden, tu seras aujourd'hui le Nishmat, François Fajib, Ben Khana, Janine Rud, Batfort, Mazal, Fritna, Kloch, Mouben, Shalom, et Shaya, Ben Inda. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet PA, Perek Dalet, Mishnah Tet, Mi Shelakat et APA. Ve'amar Arezo le Ishploni Ani. Rabbi Eliezer, Omer, Zachalo. Vachachamim Omrim, Itenena le Ani, Shenimtsa Rishon. Aleket Vashifecha ve'APA Shel Nocheri. Chayav ve Maasrot, Ela Imken Hifkir. Deux sujets dans notre Mishnah. On commence avec le premier. Je traduis le cas, il est simple à comprendre. Les raisons, on les explique ensuite. Michel Akat est APA, celui qui a cueilli de l'APA. Ve Amar, et il a dit Arezo le Ishploniani, et j'en fais acquisition pour tel pauvre qui est là-bas. Pour Reuven le pauvre de là-bas. Rabbi Eliezer Omer, Zachalo. Selon Rabbi Eliezer, j'ai réussi à acquérir pour lui. Et Chachamim me disent, non, pas du tout, tu as pas, il n'a pas acquis. Et dans ce cas-là, itenena le ani anim tsarishon. J'ai le devoir de le donner au premier pauvre que je rencontre, j'ai pas le droit de lui donner ça. Soit, je reprends la situation. Mais ici, un champ des pauvres. Moi, j'ai mon voisin Reuven, un monsieur gentil et tellement faible, que je préfère moi aller lui cueillir directement la PA. Moi je suis quelqu'un de riche, j'ai pas le droit de cueillir la PA pour moi, je suis pas pauvre. Mais je vais en faire acquisition. Il ne m'a pas nommé chaliar pour accueillir non plus. Je vais de ma propre initiative, je saisis la PA et je l'acquiers en disant, je le donne à Reuven, mon voisin le pauvre. Selon Rabbi Eliezer, il me dit, bah, bravo, tu as réussi à acquérir cette PA pour le pauvre. Si un autre pauvre qui vient qui me dit, hey, donne-la moi, c'est pas à toi, je lui dis non, ça appartient à Reuven, j'ai acquis pour lui. Selon Chachamim, je n'ai pas réussi à acquérir pour Reuven, et dans ce cas-là, le pauvre, il a le droit de me la reprendre des mains directement, et voilà, j'ai pas le droit de la garder, d'accord? Maintenant, il faut expliquer c'est quoi la raison de ça. Alors, il y a une petite introduction d'abord, c'est de savoir que, de manière générale, Zachin la Adam Shelo Befanav, vous connaissez cette règle? Autant que je peux nommer un émissaire pour acquérir quelque chose, vous pouvez vous aussi, si vous trouvez quelque chose dans la rue, vous savez que j'ai besoin d'un stylo. Vous dire, ah, j'ai trouvé un stylo, ben je le prends et j'en fais acquérir pour moi, pour Aridan. Vous le levez, vous l'acquérissez, dès lors, ce stylo m'appartient. C'est Zriya. Zachin la Adam Shelo Befanav. On fait un acte d'acquisition à quelqu'un, même si on n'est pas devant lui, même si on n'a pas été nommé par lui, parce que vous devenez automatiquement Shaliach émissaire pour acquérir pour moi, même si je ne vous ai pas nommé. Vous avez le droit, c'est déduit de la Torah, c'est un long sujet. Est-ce que c'est lié à Shlichut ou c'est pas exactement comme Shlichut? C'est un peu nuancé. Quelques petites nuances, mais le principe est général, il est simple. De votre propre initiative, vous pouvez devenir Shaliach pour acquérir pour moi. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais, quelqu'un a quelque chose de très important. Vous pouvez acquérir pour moi que parce qu'en théorie, alors c'est là la machloquette. En théorie, vous pouvez acquérir pour moi, et c'est la vie de Rahamim d'ailleurs, vous pouvez acquérir que pour moi qu'une chose que, en théorie, vous pouvez décider de l'acquérir pour vous-même. Le stylo, vous le trouvez dans la rue. Vous avez la possibilité de lever et de l'acquérir pour vous-même. Personne ne peut vous en empêcher. C'est une trouvaille, vous la ramassez, vous la levez pour vous, pour moi, et vous la levez pour vous, vous l'avez acquise. Dans ce cas-là, vous pouvez dire, ben, puisque vous êtes en droit d'acquérir de toute façon, alors vous l'acquérissez, au lieu de faire que ça devienne votre propriété, vous l'acquérissez pour moi, et je deviens moi le propriétaire. Vous avez fait une tria pour moi. Est-ce que vous avez la possibilité de le faire? Maintenant, si moi je suis quelqu'un de riche, je n'ai pas le droit de ramasser les dons des pauvres. Donc là, j'ai un problème, d'après tout le monde, j'ai un problème. Je ne peux pas partir, lever la PA et dire j'en fais acquisition pour Reuven le pauvre. Parce que moi, je n'ai pas le droit d'acquérir la PA. Donc je suis invalidé pour pouvoir acquérir la PA, en théorie. C'est la vie de Chachamim. Donc, d'après Chachamim, si moi je suis moi-même pauvre, et je décide, moi j'ai de la peine pour mon voisin Reuven, je peux partir acquérir pour Reuven, parce que qu'est-ce que vous voulez, debout les autres pauvres vont vous plaindre. J'ai moi-même le droit de prendre cette PA pour moi-même. Alors au lieu de la prendre pour moi, j'en fais une acquisition à Reuven. Et bien ça appartient à Reuven, et ça appartient plus à moi, j'ai plus le droit de la prendre pour moi, parce que maintenant ça appartient à lui. Parce que je suis moi-même pauvre. Mais si je suis riche, j'ai pas le droit de prendre la PA, je suis pas en droit de faire un acte d'acquisition. Les pauvres vont me dire, mais t'as pas le droit d'acquérir. T'as pas le droit d'acquérir pour toi, tu ne peux pas acquérir pour le voisin. Je ne suis pas en droit d'acquérir pour lui. Rabbi Eliezer, il va me dire que j'ai malgré tout le droit d'acquérir, mais vous savez pourquoi?
Abélézer, il est d'accord avec le principe que si j'ai pas le droit d'acquérir pour moi, je peux pas acquérir pour le pauvre. Mais en réalité, j'ai aussi moyen d'acquérir pour moi, vous savez comment? C'est vrai que je suis riche, et j'ai à peu près 17 appartements dans tout Israël et tout ça, mais je peux en un instant dire, bon allez, je suis mafkir tout, je donne, je sanctifie tout au Beth Amikdash, je donne tout, je me défais de la propriété de tous mes biens. Instantanément, je deviens pauvre. Donc si je veux, je peux devenir pauvre. Et si je deviens pauvre, je peux acquérir pour moi. Alors, là, on va faire deux migos, ça s'appelle. Deux migos. Migo deibae mafkar le nirse, ou migo deibae zachen anamche, migo deibae zachen anamche, zachen anachavre. C'est une gemara dans ma metzia, on en parle longuement. C'est d'abord, premièrement, j'ai migo, ça veut dire du fait que je peux me défaire de mes biens et devenir pauvre. Et une fois que je serai pauvre, j'aurai un deuxième migo qui va me dire, bah, du fait que je peux acquérir pour moi, je peux acquérir pour lui. Abélézer va dire, bah, tu dis deux migos. Alors, Rami me dit non, un migo tu dis, deux migos tu dis pas. C'est le principe général, on ne va pas rentrer trop dans les détails comme ça fonctionne. En tout cas, l'idée elle est là. Rabbi Eliezer me dit, je peux encore approcher cette voie et la ramasser. Le pauvre ne peut pas me dire, je ne suis pas en droit d'acquérir. Je peux devenir en droit d'acquérir instantanément. Alors, je ne suis pas obligé de me défaire de tous mes biens concrètement, puisque j'ai en théorie la possibilité d'acquérir. J'essaie d'acquérir directement pour le pauvre, pour Reuven, et ça marche. Ça, c'est la vie de Rabbi Eliezer, et Rahamim nous disent que ça ne marche pas, et sur ça, la halakha, sur ce point-là, la halakha, elle est établie comme chachamim, que ça ne marche pas. Deuxième partie de la Mishnah. Aleket va shirchecha ve apéach al nochri, chaya ve maasrot. Le leket, la shirchecha, toutes les dons des pauvres, de leket, lorsque le goy cueille, et qui va faire tomber des gerbes, ou la shirchecha, ce qu'il va laisser dans le champ, et même la péa, le coin de son champ, qu'il va laisser, qui appartient au goy, Ils sont imposables de maasrot. Pour le moment, c'est pas compréhensible. Il y a une problématique ici à mettre en évidence. Et là, imken ifkir, sauf si le goy il a dispensé, il s'est défait de la propriété de son champ. Je m'explique d'abord une idée générale d'abord, sans rentrer dans le cas du goy précisément. Vous savez que si, imaginez que j'ai un champ qui n'est pas imposable de PA, mais je décide malgré tout, allez, je vais laisser quand même la PA. Par exemple. Les concombres, ils ne sont pas imposables de PA parce que ce n'est pas le marqué sur le kioum. Et c'est un équitatoke achat pour rappeler les conditions du Père jaune. Ça ne remplit pas toutes les conditions imposables de la PA. Mais j'ai décidé de faire Midat Rassidut, de laisser la PA des concombres. Alors bon, c'est sympathique, je fais des dons aux pauvres, mais il faut faire très attention. Lorsque les pauvres vont venir cueillir ces concombres, ils ne pourront pas les manger tel quel. Ils devront nécessairement donner les tournois au Maasrot. Pourquoi? Puisque la Torah m'a dit, ce que tu donnes aux pauvres, le pauvre, quand il le reçoit, hein, ce que tu as imposé de nos pauvres, lorsque le pauvre le reçoit, il n'a pas besoin, lui, de donner la tourmente au maasrot, parce que la Torah n'a pas imposé la part du pauvre de tourmente au maasrot. Mais si le pauvre, il n'a pas de droit spécifique sur ces concombres-là, parce qu'il n'y a pas de devoir de laisser la PA, dans ce cas-là, les concombres appartiennent à moi. Lorsque le pauvre le prend, il prend chez moi, et je lui donne à lui. C'est des fruits qui sont imposables de tourmente au maasrot. À une exception, c'est que si j'ai décidé que maintenant, le coin du champ que je laisse pour tout le monde, pas que pour les pauvres et pour les riches. J'ai fait FKR. Ah, FKR, c'est dispensé de tourmente au maasrot. Vous avez compris l'idée d'abord, premièrement, avant d'arriver au cas particulier du goy. Le goy, il me faut encore deux introductions. Je reprends. Si j'ai des fruits qui ne sont en théorie pas imposables de PA, et que je décide de laisser la PA, alors c'est très gentil de ta part, mais c'est le pauvre qui va venir cueillir, il devra nécessairement prélever les tourmente au maasrot. Parce que c'est pas un fruit qui est dispensé de tourmente au maasrot, puisque ce n'est pas un don imposé aux pauvres. C'est un don que toi, tu as, qui t'appartient à toi, que tu décides de donner aux pauvres. Le pauvre, il doit donner la tourmente au maasrot. Si j'ai cueilli des pommes, ouais, j'ai cueilli des pommes, j'ai imposé de donner la tourmente au maasrot. Il y a un pauvre qui vient, je lui dis, allez, prends 10 pommes. Eh ben, il devra donner la tourmente au maasrot, parce que c'est des fruits qui sont imposables de tourmente au maasrot. Mais en principe, je reprends, j'ai laissé la PA sur les concombres, je n'étais pas imposable de PA sur les concombres. Eh ben, le pauvre, il devra faire la tourmente au maasrot. Sauf si j'ai été mafkir, je me suis défait de la propriété de tout le coin de ce champ, et j'ai dit, que ce soit les riches, les pauvres, n'importe qui, celui qui veut, il vient, dans ce cas-là, il y a une affaire spéciale, que quand c'est un FKR pour tout le monde, alors on est dispensé de tourmente au maasrot. Fin de la première introduction. Deuxième introduction maintenant. On va parler maintenant d'un cas d'un goy qui décide de se conduire comme un juif. Vous savez quoi? C'est un goy qui est en cours de conversion, qui n'est pas encore juif. Pour le moment, il est goy. Donc si l'égoï, il n'est pas imposable de l'éket shichra ou péa, parce qu'il est goy. Maintenant, il s'habitue, il apprend toute la lachot, ça lui prend, je ne sais pas combien de temps on prend, 2 ans, 3 ans, il est en cours de conversion, il apprend bien. Et donc il veut laisser le l'éket shichra ou péa.
Ouais, le laisser pour les pauvres. Alors là, attention, c'est très gentil de sa part, qu'il fasse les dons. Mais le pauvre qui va venir cueillir, il va cueillir des fruits qui sont imposables de tout le monde ou masfot. Vous devez sûrement sentir qu'il y a un petit problème dans ce que je dis, mais c'est pas grave, faites comme s'il n'y a pas de problème. Acceptez l'idée, après on va rentrer dans la problématique. Donc, le goy, il a un champ, et il va accueillir les fruits. Il veut quand même s'habituer à laisser les ketchikha au PA. Il veut laisser les ketchikha au PA, les coins, les choses qui appartiennent aux pauvres. Alors là, les pauvres, ils vont venir, ils vont ramasser, ils vont lui dire merci beaucoup. Mais pour le moment, attention, ces fruits-là, ils ne sont pas imposables de les ketchikha au PA, puisqu'ils ne sont pas imposables de les ketchikha au PA, ils devraient prêter ton masrot. D'où la grande question. Si le champ il appartient à un goy, il ne faut pas laisser le tromo tourner à saute. Si ça appartient à un goy, le goy ne doit pas laisser le tromo tourner à saute, apparemment. Mais en réalité, là, c'est une énorme marloquette dans la Gemara. Dans les Tanaïm, jusqu'aux Amoraïm et les Rishonim, comment trancher la halakha sur ça? Est-ce que Yesh Kinyan Lovet Kochavim, Beretz Israël Afkia, ou Enkinen Goy Beretz Israël Afkia? D'accord? Ça veut dire, en deux mots, c'est le gros sujet de la Shemitah. Si vous avez déjà vu en Israël comment ça se passe dans la Shemitah, avec les Hersherim pour les Saradim et aussi les Ashkenazes de Yerushalayim contre les Ashkenazes de Neorak et les Rabbanim qui suivent le Chazonish ou le Maharit, qui suivent le Bet Yosef. C'est une marque qui a commencé à être répétée depuis 350 ans entre le Bet Yosef et le Maharit. Et du coup, le Chazonish est là. Le principe, un des éléments de base sur la Shemitah, comment se conduire, c'est exactement ça. Est-ce qu'un champ qui appartient à un goy en Israël, est-ce que le goy il peut acquérir un champ en Israël au point de dispenser des tourments masrot si ça arrive dans les mains d'un juif ou pas? Est-ce que Yeshkinen la Akum, Ber Israël la Fkia, mais des tourments masrot? Ça a rapporté ici, Enkinen Nochi Ber Israël la Fkia, mais Namaser. Ouais, regardez dans la phrase du Bartanora. Rabbi Meir, il pense que Enkinen la Goy la Fkia, le goy, il est, même s'il cueille, même s'il a un champ qui lui appartient à lui, vous allez acheter maintenant des fruits des Arabes. Du raisin des Arabes de Hevron pour faire du vin, vous allez acheter les raisins. C'est ce raisin-là, selon Rabbi Meir et selon le. On est marmir, même tout le monde est marmir sur ça, je crois d'ailleurs. Pour la juive, c'est un peu nuancé, mais en tout cas, lorsqu'on accueille maintenant les raisins qui appartiennent des Arabes, eh ben, selon Rabbi Meir, ils sont imposables de tourmento maasrot. Tu devrais quand même prélever des tourmento maasrot. Parce que le goy, même s'il a une parcelle de terre qu'il a achetée en Israël, en bonne et due forme, ça lui appartient. Il n'a pas la possibilité de supprimer, de dispenser les fruits eux-mêmes d'être imposables de tourmente aux autres. Donc lui, quand il cueille, il n'a pas besoin de laisser les ketchikha au PA, parce que là, c'est un goy qui cueille. Mais les fruits sont imposables de tourmente aux masrot. Selon ce principe, maintenant, on revient dans notre Mishnah, que le goy qui a son champ en Israël, il cueille les fruits, et lorsqu'il cueille, il laisse, c'est un arabe qui est en cours de conversion pour devenir juif, et il a son champ en Israël, à Hebron, il cueille maintenant tout son raisin, en l'occurrence un peu de tout, il va laisser la ketchikha au PA, Peret ou Lelot, c'est un peu la même chose, bon, il va laisser les dons pour les pauvres vont venir prendre, ils sont imposables de tout Masrot, selon Rabbi Meir, parce que le champ, ils sont imposables de tout Masrot, même si ça appartient à un goy, et ensuite, ils ne sont pas imposables de PA, donc dans ce cas-là, c'est un don que le goy me fait à moi le juif. Et dans ce cas-là, les fruits sont imposables de tourmento maasrot parce que ça part, sauf s'il en a fait un efker pour tout le monde. Regardez, je refais ça dans les mots et après je vous apporte une précision très importante aussi sur ce que je vous ai dit, sur ce qui appartient au goy ou pas. Il y a une nuance quand même qu'il faut quand même préciser pour ne pas que vous sortiez de ce cours avec une erreur. A leket da shichecha ve apea shel nochri. Le leket shicha au pea, les dons que le goy fait aux pauvres, comme si qu'il était juif, il laisse le leket shicha au pea. Ben, ces dons-là qu'il fait, ils sont chayav ve maasrot, ils sont imposables de maasrot. Parce que, comme on a dit, le Bartanois, sauf si le goy, il a décidé que ce que je laisse dans le coin pour les pauvres, c'est pas que pour les pauvres, c'est pour les pauvres comme pour les riches. Dans ce cas-là, il dispense complètement les fruits, le terrain devient efker complètement. Dans ce cas-là, les fruits efker ne sont pas imposables de tout le monde. Précision super importante, parce que je vous ai dit quelque chose de pas exact, il faut bien expliquer un point important. Ce que je vous ai dit précédemment, que si je vais chez le goy acheter des fruits, si je vais chez le goy acheter des fruits, que je deviens imposable de tourmento maasrot, tout le monde est d'accord que si c'est moi, si j'achète les fruits du goy et c'est moi qui les cueille, que je suis imposable de tourmento maasrot. La marloquette avec le Maharit, Bet Yosef, tout ça, c'est si le goy les cueille
et que lui fait le miroir, lui les engrange chez lui, est-ce que ces fruits-là deviennent dispensés ou pas? Dans ce cas-là, puisque maintenant le goy les a cueillis entièrement et qu'il les a fait, il a fait le miroir, comme on apprenait dans la Mishnah précédente, il a fini les fruits chez lui et il était dispensé de Trumot Ma'asot, ils ne sont plus imposables de Trumot Ma'asot. Ça, tout le monde est d'accord sur ça. Plutôt, si les fruits ils appartiennent au goy et que moi je vais les cueillir, moi qui suis juif, je vais cueillir les fruits parce que le goy me dit tiens, prends la récolte et cueille-toi tous les fruits. Alors ce que je cueille, c'est imposable de Trumot Ma'asot. Mais si le goy il les a, et ça c'est d'après tout le monde que je suis imposable de Trumot Ma'asot, c'est pour ça que si je vais acheter du raisin chez les goy, chez les arabes, pour faire mon vin, et je cueille tout, c'est, puisque c'est moi qui ai tout cueilli, ou bien même s'il a cueilli, c'est moi qui ramasse tout pour les amener chez moi, je suis imposable de Trumot Ma'asot. La marloquette, elle est dans le cas où le goy a cueilli, et le goy lui-même a engrangé, donc c'était le moment d'être imposable de Trumot Ma'asot. Là, cette fois-ci, c'était dans les mains d'un goy qui est malgré tout pas imposable de Trumot Ma'asot. Le mari va dire, maintenant, ouais, la terre, elle est imposable de Trumot Ma'asot, tu devrais quand même prélever. C'est pour ça que les Ashkenazes, ils reprélèveront et tout ça. Et dans, même dans la Shemitah, tandis que le Beth Yosef et tout ça, ils disent, non, puisque c'était cueilli par le goy, c'est arrivé jusqu'au fond, jusqu'au bout, avec le goy n'a pas été imposé de Trumot Ma'asot, il a réussi à dispenser les fruits de Trumot Ma'asot. C'est une grande marloquette. Si vous entendez Marine Beth Yosef, pendant la Shinta, tout celui qui va donner un chiur un peu approfondi sur le Eter Mechira, il va d'abord commencer par ce point-là, qui est un point essentiel. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Sela.